Yep les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Swap Meet pour lequel je pense qu'il va y avoir une grosse différence de performance entre la version d'origine du véhicule et la version boostée à fond après swap. Ouais, il y a des épisodes comme ça où avant même le tournage on a déjà une petite idée de ce qui va se passer. Avant de se pencher sur la Porsche 356 demandée par l'aventurier du gaming, petit rappel de comment fonctionne l'émission Swap Meet pour ceux qui découvrent l'émission à travers cet épisode. Lors d'un sondage publié dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez choisi le tracé de Fuji Speedway pour nos joutes mécaniques. Je vais donc m'élancer pour 3 tours et pas un de plus en mode contre-la-montre 6h30 du matin sur le tracé japonais, avec dans un premier temps le véhicule équipé de son moteur d'origine préparé et réglé à fond. Puis ensuite avec le même véhicule boosté à fond mais swappé, toujours réglé bien évidemment, et l'on va voir en 3 tours laquelle des deux est la plus rapide. Des conditions clémentes nous permettront d'installer systématiquement des pneus course tendres sur tous les véhicules, et donc comme je l'ai déjà dit, les véhicules sont réglés et surtout ils sont optimisés en termes de performance, ça veut dire qu'ils ne seront pas nécessairement à leur spécification maximale, mais que j'aurai choisi la pièce qui, pour chaque élément, me semble être la plus performante par rapport à ce que l'on souhaite faire. En effet, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir la puissance maximale, parfois avoir quelques chevaux de moins mais plus de couple, ou le couple et la puissance mieux placés sont plus intéressants que d'avoir des pics avec des valeurs maximales plus élevées, mais ne pas avoir la puissance ni le couple là où on en a vraiment besoin dans le contour. Penchons-nous à présent sur la Porsche 356A 1500 GS Carrera de 1956. Elle est d'origine équipée du moteur 547/1, initialement d'1,5 litre. Après avoir un petit peu retravaillé ses entrailles, nous sortons à présent 1650 cm3. Ce bloc, maintenant considéré comme un 1700, développe une jolie petite puissance tout de même quand on voit la puissance de base de la voiture. 229 chevaux pour 209,5 Nm de couple. Oui, je sais, ce sont des valeurs qui paraissent très faibles aujourd'hui quand on les compare à peu près n'importe quelle voiture électrique sur le marché. Le poids, quant à lui, est de 722 kg, ça va faire plaisir à Stirling Moss. La répartition des masses est 45% portée sur l'avant et 55% sur l'arrière. Évidemment, on est sur une Porsche avec l'architecture habituelle des Porsche, hein, tout en porte-à-faux arrière. Donc, ouais, des répartitions de masse qui sont pas toujours les meilleures. Selon moi. Alors ça offre en général un très bon freinage, mais ça peut aussi offrir un comportement parfois un peu hasardeux en fonction de ce que fait le pilote, donc on va se méfier pour cette auto. Comme d'habitude, je vous laisse faire le screen des réglages de suspension, différentiel, etc. Vous remarquerez une boîte personnalisable manuelle, réglée en vitesse de pointe automatique à 200 km/h. Je n'ai pas touché au réglage manuel, mais la transmission personnalisable ajoutant une vitesse de plus sur la Porsche, nous avons une vitesse de pointe théorique qui sera plus élevée que 200 km/h. Bon, on verra si la ligne droite de Fuji nous permet d'aller vraiment vite ou pas. La ligne droite est assez longue, mais on n'a que 230 chevaux. Quoi. Une fois n'est pas coutume, pas de turbo, pas de compresseur pour cette voiture. Aucune pièce n'étant disponible pour suralimenter le moulin, on reste sur un bloc atmosphérique. Pas d'intercooler non plus, du coup. Avec une puissance, ma foi, encore raisonnable, j'ai conservé des freins raisonnables eux aussi. Ce seront tout de même des freins de course percés. Le train arrière sera équipé d'un frein à main hydraulique, alors que le train avant, lui, récupère le kit grand angle. Vous savez que j'installe ces pièces sur pratiquement tous les véhicules de Swap Meet. Le frein main hydraulique, on ne devrait a priori pas en avoir besoin en contre-la-montre, c'est plus utile en drift ou en rallye, encore que parfois quand la voiture part un peu en cacahuète, ça nous permet de se replacer plus ou moins avec le frein main. Mais normalement avec 230 chevaux ce ne sera pas nécessaire. Le kit grand angle de son côté améliore l'angle de braquage du véhicule. Il nous permettra donc dans le même temps de braquer un peu moins le volant pour obtenir un angle de braquage similaire. Lorsque la voiture part en cacahuète, ça permet d'avoir un peu plus de réactivité et puis surtout cela permet d'avoir un peu plus d'angle de drift possible avant que le spin ne soit complètement hors de contrôle. Même si de nouveau, avec 230 chevaux à peine, ça devrait aller. Toutes les pièces ultimes et extrêmes ont été installées, à l'exception du kit nitro qui, de toute façon, en contre-la-montre, n'est pas activé. Vous avez les grandes lignes de la théorie sur cette Porsche 356. Je vous propose maintenant de passer à la pratique, les 3 premiers tours. Comme d'habitude, je vous propose en VR, en embarqué, le meilleur des 3. Petit débrief de cette première version. Puis nous passerons sur la version swappée, qui va être un peu plus énervée que cette première version. Là, je pense qu'il va y avoir un écart chronométrique entre cette première version et la version swappée qui devrait être potentiellement supérieur à 10 secondes. Enfin, disons que s'il n'y a pas 10 secondes d'écart entre les deux, faudra peut-être se poser des questions sur le swap quand même. Allez, c'est parti pour cette première session.
Notre temps de référence pour la version d'origine sera donc en 1 minute 47.843, un optimal en 1 47.588, et des chronos en constante amélioration et plutôt réguliers. Une voiture qui est plutôt assez agréable à utiliser lorsqu'on la cravache. Voyons voir ce que la version swappée peut nous offrir. Je pense que le chrono sera sensiblement plus rapide. Par contre, je pensais qu'il y aurait au moins 10 secondes d'écart entre les deux. Mais en vrai, quand je vois le chrono de cette version avec seulement 229 chevaux, je me dis que potentiellement la version swappée ne mettra pas 10 secondes d'écart. On va voir. Si un 4 cylindres à plat n'est pas suffisant pour les puristes de la marque Porsche, même si on rappelle quand même que les premières Porsche avaient des 4 pattes, plus ou moins dérivées de la Cox, pourquoi ne pas lui rajouter 2 cylindres pour arriver à un flat 6? Dans l'opération, on prend quelques kilos, on arrive à 817, mais l'on passe surtout la cylindrée à un peu plus de 3 litres, la puissance à 855 chevaux et le couple à 782,7 Nm. Pour y arriver, on n'a pas choisi n'importe quel flat 6. Il s'agit du bloc 959-50, issu de la Porsche 959. Vous l'aurez compris, les deux cylindres supplémentaires sont accompagnés d'une suralimentation. On retrouve du turbo à haut régime sous le capot de notre 356. Voilà qui devrait cracher des flammes, puisqu'un système anti-lag est également disponible. De nouveau, je vous laisse apparaître la fiche de réglage, qui est légèrement différente en termes de transmission, mais qui pour le reste n'a pas beaucoup bougé. L'on retrouve donc le frein main hydraulique et le kit grand angle. Par contre, cette fois-ci, du côté des freins, il n'est plus question de freins de course percés, mais bien de freins carbone céramique, parce que la voiture est quand même légère, mais on a quand même plus de chevaux que de kilos. Ouais, on revient de nouveau sur ce délire des voitures des années 50 et 60, dont le rapport poids-puissance ferait pâlir n'importe quel Koenigsegg passant par là. J'ai peur. Je me souviens d'un certain épisode sur une Abarth 595 SS, puis là je me dis que... on a changé quelques chiffres et quelques lettres, mais 595 SS, 356 GS, à mon avis ça va être du grand sport. C'est parti pour le slalom géant avec cette 356 qui, à mon avis, va être un peu effrayante. Espérons que le freinage soit à la hauteur de la réputation de Porsche sur le sujet, parce que si ça freine pas bien, ça va être tendu dès le premier virage. Je réalise finalement un chrono de 1 minute 39 secondes et 136 millièmes avec un optimal en 1.39.104. Par contre, regardez les deux autres tours, hein, 1.44 et 1.54. Faut le temps de s'y habituer à cette auto. Mais alors, est-il intéressant de swapper la Porsche 356 ou vaut-il mieux se contenter du moteur d'origine? Avant de répondre à cette question, petit rappel habituel, c'est important. Souvenez-vous que si vous installez un swap ou un kit large sur une voiture de Gran Turismo 7, elle n'est plus éligible dans les courses pour lesquelles l'équilibre de performance sera actif. Cela comprend la quasi-totalité des courses du mode sport, ainsi que les lobbies multijoueurs pour lesquels l'hôte active l'équilibre de performance. Enfin, cela peut également concerner certaines courses du mode solo, même si de manière générale, ça sera beaucoup moins gênant. Une fois que ça s'est dit et rappelé, le swap est-il intéressant ou non pour cette 356 ?
Pour ma part, je trouve le moteur de la Porsche 959 un chouïa trop performant pour ce châssis. Alors on a déjà eu ce modèle de moteur dans d'autres swap meets pour lesquels c'était plus ou moins simple de maîtriser le véhicule. Ici, honnêtement, la voiture n'est pas véritablement faite pour avoir autant de puissance et ça se sent. Alors vous me direz, bah une coccinelle ou un son babus non plus. Non, effectivement. Mais je sais pas pourquoi. Autant je trouve le moteur d'origine plutôt performant pour sa puissance, autant je trouve que le moteur de la 959 dans la 356, c'est un peu too much. Peut-être que vous l'aurez remarqué, je n'ai pas les roues élargies sur la voiture swappée. Je les avais installées initialement et la weekly d'il y a quelque temps sur Laguna Seca en monotype avec cette 356 m'a fait remarquer que avec les roues larges et le moteur swappé, on est tellement en appui sur les virages que ben les pneus viennent taper dans les ailes. Du coup, j'ai remis des roues dans des dimensions plus proches de l'origine. J'ai donc des voies plus étroites tout en ayant plus de puissance à faire passer au sol et ça n'aide pas vraiment à la stabilité. La 356 équipée de son moteur d'origine préparé, elle par contre peut avoir des voies élargies et des pneus montés à l'allemande avec les flancs tendus sans que ça ne vienne trop poser problème. En effet, on arrive moins vite dans les virages, donc la voiture prend moins de roulis et globalement les pneus se tiennent à une distance un peu plus raisonnable des ailes, même si ça peut arriver à de rares moments que le pneu vienne un peu toucher dans l'aile, mais généralement la voiture se restabilise assez vite et on n'est pas trop gêné dans les changements de direction ou dans les appuis, alors qu'avec la version swappée, si on a des roues élargies ou des portée, eh ben ça frotte quasiment en permanence, il n'y a qu'en ligne droite qu'on est tranquille. Évidemment, ça peut avoir une influence sur le comportement du véhicule et je pense que c'est en cela aussi que le moteur d'origine me plaît. J'avais élargi et déporté le train avant sur la version d'origine, le train arrière aussi d'ailleurs, mais c'est moins gênant à l'arrière. Et je pense que ça a pu jouer positivement dans le niveau de performance de la voiture. Malheureusement, la version swappée ne peut pas être équipée d'un kit large et donc élargissement des voies sans élargir la carrosserie, les pneus sont très proches des bords des ailes. Et voilà, quand on prend un bordel quand on monte sur la piste, demandez à Booba la suite. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Par conséquent, pour moi, si en termes de performance pure, le véhicule swappé est plus rapide que le moteur non swappé, bah j'ai quand même une préférence pour le moulin d'origine dans cette 356. Certes, on n'a pas un 6 cylindres qui chante bien, on se contente d'un petit 4 cylindres qui a une sonorité, ma foi, proche de la coccinelle, mais au moins on peut la cravacher sans trop se faire peur et en prenant quand même de bonnes sensations, alors qu'avec le moteur swappé, alors on prend des sensations aussi, mais c'est surtout des sensations de frayeur quand on voit arriver les virages et que la voiture part dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle on aimerait qu'elle aille. Donc pour moi, comme pour l'épisode précédent, si vous êtes un pilote confirmé, vous pouvez vous amuser à swapper le véhicule et vous parviendrez avec un peu d'entraînement à réaliser de belles choses avec elle. Mais si vous êtes un pilote un peu moins expérimenté ou que vous n'avez pas forcément le temps de vous habituer au véhicule, gardez le moteur d'origine, préparez-le jusqu'à à peu près 230 chevaux et vous vous amuserez déjà beaucoup avec cette voiture qui, si elle a une architecture un peu datée, reste quand même plutôt sympa et plutôt performante. Si, comme l'aventurier du gaming, vous souhaitez votre épisode de Swap Meet dédié à une voiture, ou à plusieurs voitures pour lesquelles vous cherchez des informations concernant le swap ou pour lesquelles vous avez découvert un swap incroyablement performant et que vous souhaitez partager ce swap avec la communauté, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il vous suffit pour cela de laisser un petit commentaire sous la vidéo. L'espace commentaire évidemment est disponible également pour tout autre commentaire ou suggestion à propos de Swap Meet ou de mes autres vidéos. Vous remarquerez qu'entre le player vidéo et l'espace commentaire, vous survolerez la description de la vidéo. Je vous invite à y faire un tour, il y a plein de choses intéressantes à y trouver. Les liens vers ma chaîne YouTube IRL, les liens vers mes réseaux sociaux, ainsi que le lien vers ma boutique de merch si vous souhaitez porter des vêtements aux couleurs de l'émission. J'en profite d'ailleurs également pour placer ça ici. Sur ma chaîne IRL, vous trouverez également une boutique de merch. Les produits proposés sur les deux boutiques sont des produits différents. Le prochain rendez-vous pour Swap Meet, ce sera ce jeudi. On s'attaquera à la BMW M3 E46, la M3 de 2003. Nous nous retrouverons ensuite dimanche pour l'Open Paddock. Si vous souhaitez venir rouler avec nous, n'hésitez pas à m'en faire la demande dans l'espace commentaire. Je vous ajouterai avec plaisir pour que vous puissiez profiter de nos moments de grosse rigolade sur le circuit de Gran Turismo 7 ou d'autres jeux. Bon, on est souvent sur Gran Turismo 7, mais il arrive parfois que l'on se penche sur d'autres titres. Et puis d'ici ces prochains rendez-vous, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao tout le monde!